They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Salut les psychonautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Psyché et tout d'abord un énorme merci à vous car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça, ça nous fait vraiment plaisir. Pour ce quatrième opus, nous allons tenter de répondre à une question délicate posée par Freud du 59 que nous saluons au passage, les fous dangereux, mythes hollywoodiens ou réalité. Une thématique d'autant plus complexe que le cinéma, depuis ses origines jusqu'à une période très récente, entretient de nombreux clichés sur la maladie mentale. Here's Johnny. En effet, le fou, apparenté le plus souvent à une personne souffrant de schizophrénie, fait le bonheur des scénaristes car il suscite de la terreur, de la fascination ou, plus rarement, de la compassion. Il est présenté le plus souvent comme souffrant d'hallucinations visuelles, ce qui est en réalité plutôt rare dans la schizophrénie, et souffrant également d'un dédoublement de personnalité, ce qui n'a absolument rien à voir. Où es-tu ? Je suis là ! Ah ! Oh, ça le part ! Et enfin, il est très fréquemment présenté comme dangereux. Salut ! Nous reviendrons plus en détail sur ces représentations caricaturales de la maladie mentale dans une chronique consacrée aux bons films qui parlent mal de la psychiatrie. Bah t'as beau dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais non. T'es sûr ? Bah ouais. Ah ouais ? Bah ouais. Et on va continuer longtemps comme ça ? Bah non. Bon, et si on se penchait vraiment sur la question ? Tout vient à point à qui sait attendre. Pour commencer, une rapide mise au point sur le concept de dangerosité, un mot-clé très fréquemment utilisé dans nos sociétés habitées par le fantasme du risque zéro. La dangerosité est avant tout un terme issu de la criminologie. Associée très tôt à la psychiatrie, elle a ensuite disparu de la scène publique dans les années 70, sous l'influence notamment de certains philosophes comme Michel Foucault. Elle revient en force depuis une petite vingtaine d'années, dans un climat d'insécurité sociale, alimenté par les médias de masse et nos chers représentants politiques. Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir de dire oui, non, parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Certains auteurs reprochent à ce terme d'être trop fourre-tout et d'obliger les psychiatres à s'occuper de problèmes qui relèvent plus de l'ordre public et surtout de se référer à l'existence d'une prétendue norme sociale. We can talk about normality till the cows come home. What is normal? Or, la médecine en général et la psychiatrie en particulier ne s'occupent pas des normes, mais des pathologies. Ainsi, un dermatologue ne s'intéresse pas de savoir s'il est normal ou non d'avoir une verrue plantaire, mais s'efforce avant tout de la traiter. De plus, il faut remarquer que le terme dangerosité est utilisé non pas pour désigner un état de fait, mais plutôt une potentialité difficile à définir car dépendante de facteurs à la fois statiques et dynamiques que nous verrons plus tard. Car il ne s'agit pas de nier le potentiel dangereux de certaines situations cliniques dans une sorte de vision idéaliste des choses, mais plutôt de rendre à César ce qui lui appartient. Avez-moi. Enfin, il est très important de distinguer d'une part la dangerosité criminologique, qui relève plus du respect de l'ordre et de la loi, et de l'autre côté, la dangerosité psychiatrique, qui représente l'ensemble des facteurs psychologiques et psychiatriques qui peuvent concourir à un passage à l'acte agressif envers la personne ou envers les autres. Les principaux risques sont bien sûr, d'une part, l'exagération du risque de dangerosité des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, mais surtout de psychiatrisation des conduites dangereuses, autrement dit, de faire de certains comportements d'irrespect de la loi des comportements pathologiques, ce qu'ils ne sont pas forcément. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je suis guéri ! Et les chiffres, ils montrent quoi ? En gros, deux choses. D'un côté, que les sujets porteurs d'une maladie mentale sont victimes d'agressions et de crimes bien plus souvent que la population générale, alors qu'à l'opposé, ils sont responsables d'un crime sur 20.
C'est-à-dire que vous avez 90% de chances de vous faire assassiner par quelqu'un de normal. Que nous apprennent les études sur la dangerosité des personnes souffrant de schizophrénie? Eh bien, globalement, le risque de violence est augmenté, d'un facteur très variable d'une étude à l'autre, de 7 à 29 fois plus important. Mais n'oubliez pas que corrélation n'est pas causalité, comme nous l'a appris notre ami Bruce de y penser. En effet, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas tant les symptômes de la schizophrénie qui sont responsables de cet excès de violence que les troubles qui sont très fréquemment associés à la schizophrénie, avec en tête de file les addictions, et notamment l'addiction à l'alcool. D'accord, mais qu'apportent réellement ces études? Eh bien, elles permettent de définir un certain nombre de facteurs de risque associés à l'augmentation de la violence et des crimes dans un objectif essentiel de prévention. Ainsi, que ce soit dans la population générale ou chez les patients atteints de maladies mentales, on retrouve un certain nombre de caractéristiques communes associées à une augmentation du risque de violence et de crimes. L'âge inférieur à 40 ans, le sexe masculin, l'isolement social, les mauvaises conditions socio-économiques, mais aussi la dépression qui multiplie par 3 le risque de passage à l'acte, et surtout, nous l'avons déjà dit et nous nous permettons d'insister encore une fois, l'abus de substances et essentiellement d'alcool. Si on s'intéresse de façon plus précise aux patients psychotiques en général et schizophrènes en particulier, on retrouve un certain nombre de facteurs spécifiques, comme la capacité d'insight, mais aussi et surtout la qualité de l'alliance thérapeutique et de l'observance médicamenteuse. Enfin, on retrouve des facteurs liés au délire lui-même, comme l'adhésion aux idées délirantes, la présence d'hallucinations donneuses d'ordre, et des thématiques mystiques et surtout paranoïaques. C'est après moi qu'ils en ont. Ça va, ils veulent me liquider. Plaît, calmez-vous. C'est évident que c'est moi madame, qui suis visé. Ils viennent me chercher, vous ne comprenez pas, calme. C'est moi qu'ils veulent te... Alors que faut-il retenir? Eh bien, il faut retenir que ce qui est dangereux, c'est de stigmatiser les personnes souffrant de troubles mentaux. Tu veux ma photo, fils de pute? La stigmatisation, elle est bien pratique. Elle permet de désigner un bouc émissaire et de proposer un récit simpliste d'une problématique qui, elle, est bien plus complexe dans la réalité. La psychiatrie souffre encore aujourd'hui d'une stigmatisation très importante. Les gens ont encore peur de rencontrer le psychiatre, ce qui aboutit à un retard au diagnostic et un retard aux soins. A contrario, il est tout aussi problématique de nier les enjeux de la violence associée aux troubles mentaux. Il existe des situations à risque qu'il faut pouvoir reconnaître et prévenir pour éviter le pire. Et cela passe notamment par un traitement adapté des addictions. La psychiatrie a beaucoup souffert ces dernières années de ce climat d'insécurité sociale et de ce regard très sombre porté aux personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. C'est à chacun de développer son esprit critique et de refuser les jugements hâtifs et de refuser d'une manière générale les récits trop simplistes. Do you think I'd know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are? Because I read Oliver Twist. Does that encapsulate you? Et avant de nous quitter, n'oubliez pas que la folie est souvent la meilleure façon de réagir face à la réalité. Thank you.